peut aisément faire tourner une assiette sur le doigt. En réalité, il s'agit de la mettre d'abord en rotation sur la baguette, puis de la poser en équilibre sur la partie bombée de l'ongle de l'index, en la prélevant délicatement et substituant le dessus de l'ongle exactement à la place de la baguette. À cet instant, la chute est fréquente. L'élève peine à ne pas effleurer l'assiette avec la main. Quelquefois, le doigt ne parvient pas à se positionner directement au bon endroit, ou encore, l'inclinaison importante et nécessaire de la baguette produit un déséquilibre irrémédiable. La figure doit être assez brève car les frottements sur l'ongle ralentissent beaucoup la vitesse de rotation.